Combien dois-je nourrir mon chat? Si vous êtes propriétaire d'un chat pour la première fois, combien dois-je nourrir mon chat est probablement l'une de vos premières questions lorsque vous ramenez votre chat à la maison. Même si vous possédez des chats depuis des années, vous pouvez parfois vous demander si vos chats reçoivent trop ou trop peu de nourriture. Passons en revue quelques facteurs à prendre en compte lorsque vous répondez « Combien dois-je nourrir mon chat ?» Combien dois-je nourrir mon chat? Les bases. Si vous vous êtes déjà demandé « Combien dois-je nourrir mon chat ?» Nous avons les réponses. La réponse à « Combien dois-je nourrir mon chat ?» est basée sur de nombreuses variables, y compris le poids et l'âge d'un chat. Si vous lui donnez de la nourriture humide ou de la nourriture sèche pour chat, le niveau d'activité du chat est si oui ou non il est enceinte ou allaitant. La marque de nourriture que vous donnez fait également une différence lorsque nous répondons à la question « Combien dois-je nourrir mon chat ?» Une nourriture sèche pour chat dense et de haute qualité contiendra plus de nutriments en poids qu'une nourriture de mauvaise qualité et nécessitera donc des portions plus petites pour fournir la même quantité de nutrition à votre chat. De nombreux propriétaires de chats permettent à leur chat d'accéder librement à des aliments secs, complétés par des aliments en conserve une ou deux fois par jour. Un régime composé uniquement d'aliments secs n'est pas nécessairement un mauvais régime pour animaux de compagnie si vous donnez des aliments de haute qualité, mais cela nécessite que vous encouragez votre chat à boire beaucoup plus d'eau pour compenser ce qu'il n'obtient pas dans les aliments en conserve. Quand nourrir votre chat? Lorsque vous ramenez un nouveau chat à la maison, il est important de continuer à lui donner la même quantité de la même nourriture selon le même horaire auquel il est habitué, puis de migrer progressivement vers votre propre nourriture et votre propre horaire. Les chats sont très sensibles aux changements, et un nouveau chat devra faire face à beaucoup de stress lié à un nouvel environnement, donc garder la nourriture et l'horaire cohérent facilitera sa transition et gardera les troubles intestinaux à distance. Lorsque vous serez prêt à faire passer votre chat à votre propre nourriture et à votre propre horaire, vous devrez déterminer le type de nourriture que vous lui donnerez, nourriture humide ou sèche, crue ou un combo, et en utilisant le nombre de calories. Dans chaque aliment, déterminez la quantité de quoi la nourrir. Que donner à votre chat, nourriture humide ou nourriture sèche? La quantité de nourriture à donner à un chat dépend également du fait que vous lui donnez de la nourriture humide ou sèche. Un autre facteur important dans la réponse « Combien dois-je nourrir mon chat ?» considère ce que vous donnez à votre chat. La base d'une alimentation saine pour chat est constituée de protéines à base de chair comme la viande, le poisson ou la volaille. La nourriture sèche doit être riche en protéines animales et pauvre en protéines végétales, que les chats sont mal équipés pour digérer. Les glucides ne devraient pas représenter plus de 10% du mélange d'ingrédients de nourriture pour chat. Les aliments humides doivent être composés principalement de viande avec le moins de sous-produits et de charges possibles. À quelle fréquence nourrir un chat? Le programme d'alimentation de votre chat est une autre chose à considérer. Un autre facteur pour déterminer « Combien dois-je nourrir mon chat ?» dépend de la fréquence à laquelle vous nourrissez votre chat. Et la fréquence à laquelle nourrir un chat dépend de ce que vous lui donnez. La plupart des propriétaires de chats nourrissent leur chat le matin et le soir, et peuvent ou non compléter cet été avec une alimentation gratuite de nourriture sèche tout au long de la journée. Je me demande toujours « Combien dois-je nourrir mon chat ?» Quelques calculs. Selon l'Animal Medical Center de New York, un chat adulte sain et actif de 8 livres a besoin d'environ 30 calories par livre et par jour. Ainsi, un chat moyen de 8 livres a besoin d'environ 240 calories par jour. En règle générale, les aliments secs contiennent environ 300 calories par tasse et les aliments en conserve contiennent environ 250 calories dans chaque boîte de 6 onces. Ou 125 par boîte de 3 onces. En utilisant ces chiffres comme guide, un chat de 8 livres aurait besoin de 4/5 d'une tasse de nourriture sèche ou juste moins d'une boîte pleine de 6 onces ou deux boîtes de 3 onces de nourriture humide par jour. Vous pouvez ajuster les proportions selon que votre chat préfère la nourriture plus ou moins sèche ou humide. Si vous donnez gratuitement de la nourriture sèche à votre chat, mesurez chaque jour l'allocation quotidienne de nourriture dans votre mangeoire sèche. Cela diminue la quantité de nourriture qui se rassit et doit être jetée. Cela vous aidera également à surveiller la quantité de nourriture que mangent vos chats. Si vous devez emmener un chat mince chez le vétérinaire, cela aidera au diagnostic si vous pouvez identifier exactement combien il mange par jour. Le partage de la nourriture empêchera vos chats de trop manger. L'alimentation libre est l'un des principaux contributeurs à l'obésité féline. Votre chat mange-t-il assez ou pas assez? Tout au long de la vie de votre chat, vous devrez modifier son alimentation pour l'adapter à l'évolution du métabolisme et des besoins alimentaires. Sentez la colonne vertébrale et les côtes de votre chat. Si les côtes et la colonne vertébrale apparaissent à travers sa peau, elle est trop maigre. Si vous ne sentez pas les côtes, votre chat est probablement en surpoids. Ajustez ses portions en conséquence. Empêcher votre chat de devenir obèse est beaucoup plus facile que de forcer un chat obèse à suivre un régime. Et cela vous rendra, vous et votre chat, beaucoup plus heureux. Avant de commencer à regarder la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo et être informé de nos nouvelles vidéos.